Bonjour, chers téléspectateurs d'Ash Live TV. Toujours un plaisir de vous retrouver pour l'émission Politique Attaque contre Attaque. Et après une semaine, donc espérez que vous avez passé une très bonne semaine. Et nous, on est là, on est toujours motivés, on est toujours surexcités pour vous partager également les infos, les informations et débattre aussi les points de l'actualité. Voici les points de l'actualité. Les cas de contamination liés à l'épidémie de coronavirus continuent d'augmenter dans le pays. Face à ce problème, le gouvernement fait choix de renouveler l'état d'urgence sanitaire pour 15 jours. Aussi, le ministère de la Culture et de la Communication, MCC, en profite-t-il pour rappeler l'interdiction des activités culturelles et artistiques? Dans une note de presse publiée par le MCC mardi 15 juin 2021, il met l'accent sur l'interdiction des activités qui rassemblent des foules. La note précise que cela viole les mesures prises par le gouvernement via la circulaire datée du 2 juin 2021 qui déclare l'état d'urgence sanitaire. Aussi, le MCC met en garde les contrevenants à cette disposition, leur rappelant les sanctions prévues par l'État. Et par ailleurs, le MCC invite les ministères de l'Intérieur, des collectivités territoriales, de la Justice et de la Sécurité publique, MJSP, à tout mettre en œuvre afin de faire appliquer l'état d'urgence sanitaire. Dossier insécurité, le haut état-major de la PNH vient de placer l'institution policière en état d'alerte maximale suite aux attaques des bandits armés sur des commissariats et en termes de police. La porte-parole par intérim de la PNH, Marie-Michèle Verrier, tente de rassurer la population en annonçant le déploiement des agents de l'ordre sur tous les grands axes. Parallèlement, l'inspectrice annonce à tout un ensemble de mesures prises par le haut état-major pour contrôler la situation. En effet, suite à des actes enregistrés des dernières semaines, le haut commandement de la PNH décide de placer en état d'alerte maximale dans les 10 départements du pays. On continue avec les informations. L'idylle terrifiante et cynique entre le chef de file de G9, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, et le régime de factorisation semble avoir touché sa fin. L'ancien policier, qui semble avoir retourné sa veste contre le pouvoir, mobilise ses hommes dans une ultime perspective de trouver un point de chute heureux et tranquille. Lundi, des seigneurs de la terreur instruits par Barbecue ont une nouvelle fois réussi à défier l'ordre établi pour avoir leur hégémonie. Ils ont barricadé le Badelma, terrorisé des passants, contraint des entreprises à fermer leurs portes. Les stratégies et les modes opératoires des bandits sont pour le moins étonnants. Au moins 5 infrastructures policières ont été attaquées simultanément le 6 juin dernier et les dégâts sont considérables avec plus de 8 policiers tués. Rareté de la gasoline sur le marché le BMPA dans mode silence à Delmas, à Pétionville comme au centre-ville. Une pénurie de gaz, de la gasoline, des pompes à essence est constatée. Si certains opérateurs ont décidé de fermer les portes de certaines stations d'essence, d'autres ont formellement annoncé une limite dans la livraison de la gasoline. Parallèlement, les propriétaires réagissant dans l'anonymat se plaignent de la résurgence régulière de cette situation qui affecte les marchés. On continue avec les informations. Le président de la République, Jovenel Moïse, dans un arrêté et dans le journal Le Moniteur, en date du lundi 14 juin 2021, a nommé le citoyen Claude Joseph Premier ministre par intérim. Cette fois, le chef de l'État n'a pas précisé combien de jours l'actuel ministre des Affaires étrangères aura passé à la tête du gouvernement démissionnaire. Le nouveau Premier ministre nommé Claude Joseph, qui reste à son poste de Premier ministre des Affaires étrangères, a remercié vivement le président Jovenel Moïse d'avoir voulu remplacer sa confiance en lui pour diriger le gouvernement par intérim. Tout en reconnaissant l'énormité des défis du moment, je suis convaincue qu'avec l'engagement solidaire et la franche collaboration de tous les membres du gouvernement, nous continuerons à nous mettre à la hauteur de la tâche, a déclaré Claude Joseph. Réagissant à la position de l'administration américaine qui a rejeté le référendum constitutionnel, le ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé des questions électorales, Mathias Pierre, estime qu'en tant que pays souverain, seule la population haïtienne aura à décider de son destin à travers un référendum pour rejeter ou adopter une nouvelle constitution. Malgré le report à une date ultérieure du processus référendaire, Mathias Pierre a confirmé que l'institution électorale continue de recevoir les bulletins pour le scrutin qui sont arrivés en Haïti comme prévu. Durant les deux prochains jours, les portes du ministère du Commerce et de l'Industrie, MCI, resteront fermées en raison d'une opération de décontamination. C'est à travers une note de presse publiée ce mercredi 16 juin 2021 que le MCI en a fait l'annonce. Cette décision est prise afin de protéger le personnel du ministère contre la contamination à la maladie du coronavirus qui ravage le pays. Aussi, le MCI en a profité pour encourager la population au respect des gestes barrières. Rappelons qu'Haïti compte, selon le ministère de la Santé publique et de la population MSPP, un total de 16 859 cas confirmés pour 361 décès et 12 568 cas de récupération. Comparé à la première vague qui est apparue en mars 2021, la deuxième vague de la maladie du coronavirus est beaucoup plus violente. Un nouveau délai de 45 jours accordé au comité consultatif indépendant pour élaborer la nouvelle constitution. Environ deux semaines après le report signe du dit référendum sur la constitutionnelle et par le Conseil électoral provisoire, dans un décret publié ce mercredi 16 juin 2021, l'exécutif a accordé un nouveau délai de 45 jours allant du 17 juin au 31 juillet 2021 au comité consultatif indépendant. Ce qui provoque que Jovenel reste accroché à son projet de référendum sur la constitutionnelle, il est fait obligation au CCI de poursuivre son travail pour l'élaboration du projet de la nouvelle constitution afin de soumettre au président de la République le projet final de constitution accompagné du rapport des travaux préparatoires. Le président de la République, accompagné de son épouse Martine Moïse et d'une importante délégation, a laissé le pays le mardi matin. Le coup présidentiel a mis le cap sur la Turquie, pays au Moyen-Orient qui s'étend l'Europe de l'Est et l'Asie mineure. Dans le cadre de ce voyage officiel, le chef de l'État et sa délégation doivent prendre part au forum de la diplomatie d'Attalia. Cette activité annuelle mettra l'accent cette année sur la sécurité, l'énergie et l'investissement. L'annonce a été faite par le bureau de communication de la présidence via un communiqué de presse. La délégation haïtienne sera de retour le samedi 19 juin 2021. Dernière information, l'ONU renouvelle son soutien au gouvernement haïtien, au processus politique, l'organisation d'élections à tous les niveaux avant la fin de l'année. Selon un communiqué de la primature, le Premier ministre par intérim Claude Joseph, accompagné des ministres délégués chargés des droits humains et des élections électorales, a eu un entretien avec le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio, autour du processus électoral en Haïti. Le secrétaire général Antonio a renouvelé le soutien de l'ONU au processus politique en Haïti, particulièrement l'organisation d'élections à tous les niveaux avant de la fin de l'année 2021. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui.